tous, bienvenue, mesdames, messieurs. Rancœur et dissension née de la non-participation des formations politiques, en l'occurrence celle de l'opposition, au scrutin du 28 avril. Le Bénin n'a décidément pas encore trouvé le bon bout pour commencer à panser enfin les plaies induites par les heurts ayant éclaté le jour J et peu après. Renvoyé devant le ministre de l'Intérieur en vue de la régularisation de leur statut juridique, les formations politiques, en l'occurrence celles de l'opposition, en ressortent plutôt révoltées. Les injonctions de l'autorité, indispensables à observer, pour les admettre désormais dans le cercle ô combien restreint des formations politiques régulièrement enregistrées, relèvent, à leur dire, de la provocation et de l'injure. De fait, un nouveau blocage suit la voie qui mène au dialogue et donc au dégel de la crise, appelé de tout vœu. Crise politique sur le régime Talon, le Bénin, dans un cycle infernal. La question à valeur déterminante pour ce numéro de 100% Bénin, ce sera tout de suite et maintenant, au travers le regard de deux analystes déjà sur ce plateau. À ma gauche, Daniel Kenom, enseignant, il est analyste politique. Daniel Kenom, bonjour. Bonjour, merci de nous être appelés. Et merci de répondre à cette invitation. En face de lui, il est Kofi Dia, juriste, il est analyste politique aussi. Il a accepté de nous accompagner durant ces 45 minutes d'échange. Il est Kofi Dia, bonjour. Bonjour, monsieur Joël. Merci. Bonjour, chers téléspectateurs. Nous répondons à leur façon. Plus d'une semaine après la rencontre, Patrice Talon, formation politique, toujours pas de régularisation de la situation des formations dites non alliées, pour reprendre une expression courante. La pied d'achoppement, les injonctions du ministre de l'Intérieur. Le ministre tenant au respect scrupuleux de ses exigences, les formations de l'opposition de l'autre côté, hostiles à la mise en application. Désormais, on se regarde pratiquement en chien de faïence. Il est Kofi Dia, que faire désormais pour surmonter ce qu'on peut appeler nouveau blocage. Le seul outil efficace pour surmonter le nouveau blocage à un an, le dialogue. Et heureusement que nous sommes en démocratie, car toute démocratie qui se veut au service du progrès et du bien-être des citoyens doit privilégier le dialogue. L'échange. C'est le véritable outil de gouvernance. Mais puisque la crise est née, puisqu'elle a été créée, puisque l'on connaît désormais l'auteur de la crise, et puisque l'on connaît comment on en est arrivé là, parce qu'on a eu à voter des lois inutiles, lesquelles ont affaibli les lois nécessaires, et lesquelles finalement ont planté la crise. Le seul moyen de pouvoir maintenant accorder les violons, c'est un dialogue sincère, fécond et fructueux. Or, pour qu'un dialogue soit fructueux, il faut forcément des préalables. Vous ne pouvez pas tendre la main à l'opposition pour un dialogue et vouloir vous-même présider la rencontre de ce dialogue. On n'en est pas encore là, mais parlons déjà des faits. Un acte quand même qui a été salué par bon nombre de citoyens, tous ne peuvent pas applaudir en temps de crise, c'est bien de cela qu'il est question. Oui, le chef de l'État a demandé à rencontrer les formations politiques. S'il y en a qui pensaient dès l'entame qu'il ne faut pas y aller, d'autres y ont cru, il faut y aller écouter l'autorité, quitte à retenir ce qu'il faut, tirer les conclusions qui s'imposent, ce qui a été fait. Ensuite, le chef de l'État qui a envoyé les concernés vers le ministre de l'Intérieur pour essayer de trouver une passerelle qui peut aider par la suite à aller vers le dialogue. Ça comptait parmi les préalables, mais là, visiblement, on ne s'entend pas. C'est à ce niveau qu'on en est encore, il est Kofi Dia. Oui, la volonté de tendre la pêche à l'opposition n'est pas sincère. Elle est piégée. Puisque l'on s'attendait à ce que l'opposition ne vienne pas pour justifier l'idée selon laquelle on m'accuse d'avoir exclu l'opposition, voilà que je leur ai tendu la main, ils ne sont pas arrivés et foncé droit. Mais à leur grande surprise, l'opposition s'est présentée parce que la nature a horreur du vide et la politique de la chaise vide a montré ses limites. RE n'est pas allé pour ces raisons que je respecte, mais la meilleure façon c'était d'aller. On dit dans un proverbe au fond, on ne refuse pas l'appel, mais c'est ce qui suit l'appel que l'on refuse. Et c'est ce qu'a fait l'USL, PCB et FCBE. Ils sont allés
Mais ce qu'ils sont allés faire n'a rien à voir, n'a aucun rapport avec un dialogue politique. Parce que la définition, l'étymologie même du dialogue politique, on n'en est même pas, c'est juste un entretien. Et sur un entretien. Tout pour... compte fait, l'expression était clarifiée, on y revient sur le principe du dialogue. Mmh. Quand est-ce qu'on peut déjà parler? Mais dans les préalables, manifestement, il y a cette pièce qui pourrait être comme l'élément déclencheur pour conduire à la paix. Daniel Cunob, vous avez suivi un peu tout ce qui s'est fait depuis le 15 juillet à ce jour. Aujourd'hui, s'il y a quelque chose qui apparaît comme un gordien qui semble encore divisé ou opposé, et ce sont les exigences du ministre de l'Intérieur qui restent dans la légalité en quoi l'autorité, mais l'opposition ne perçoit pas cela de cet œil. Merci Joël Yetondi, merci de poser cette question d'éclairage. Et je suis un peu surpris quand on parle de nœud gordien, de blocage, parce que au sortir du dialogue entre l'opposition et le chef de l'État, ceux qui sont allés à la table du dialogue, à leur sortie... Alors, ils préfèrent l'expression rencontre, rencontre d'échange. Rencontre d'échange. Bah, pardon, pardon, oui. C'est moi qui me trompe. Je m'excuse. Rencontre d'échange. À la sortie de cette rencontre, j'ai entendu les gens, ceux qui ont pris part, dire « Le président Patrice Talon nous a convaincus. » Première appréciation ou premier jet que j'ai eu, les journaux au lendemain ont montré que... Il ne faut pas nuancer, parce qu'il y a plusieurs déclarations. Il y a plusieurs déclarations. Oui, oui. C'est vrai, il y en a qui ont utilisé exactement ce terme, il y a d'autres qui ont dit qu'ils ont été déçus, puisqu'on est sur un plateau pour restituer les choses. Il y en a qui ont dit qu'ils ont été déçus, il y en a d'autres qui ont dit... J'essaie toujours de relativiser les choses. Voilà, allez-y. Les uns sont convaincus. Tout à fait. Les autres ne sont pas convaincus. Tout à fait. Ils ont donc été vaincus. Et de ce point de vue, lorsque vous sortez d'une rencontre, on ne peut pas s'attendre à une appréciation unilatérale de tous ceux qui ont pris part. Il y a ceux qui sont preneurs, il y en a qui ne le sont pas. Ceux qui ne le sont pas sont plus critiques, sont plus exigeants. C'est de leur droit. Mais je trouve un élément important, que je trouve important, c'est que le chef de l'État, en invitant les partis de l'opposition, ceux qui, quoique frustrés et qui n'ont pas pris part à la rencontre ou bien au combat législatif, si on peut l'appeler en ces termes, on les invite. Sont arrivés. C'est d'abord un respect d'une des exigences fortes de la CEDEAO. Ce qui rejoint ce que la lecture que j'ai faite de ce même chef de l'État au retour de son voyage sur Abuja après le combat de Tchaourou, l'armée républicaine en face des chasseurs ou de la confrérie des chasseurs, tout ce que ça a donné, nous le savons. Je trouve déjà qu'il y a une sorte de respect de la parole donnée par l'autorité. Maintenant, il appartient à l'observateur de savoir apprécier ce qui est dans ce respect de la parole donnée. Il peut arriver et dire « je ne fais pas ». Mais lorsqu'il est arrivé, il l'a fait. L'une des choses qui détruit sérieusement les pays africains, c'est le mot démocratie. La démocratie. La démocratie, de mon point de vue. Vous voulez dire que c'est un obstacle pour le développement des pays africains? C'est les grands pays qui ont pu se développer, se sont passés ou n'ont pas connu la démocratie. Parce que la démocratie telle qu'on l'enseigne fait croire au peuple qu'il y a une plateforme, une entièreté de liberté où tout est permis. Et lorsqu'on croit que tout est permis, on exige beaucoup. Et à l'opposé, celui qui a le pouvoir, dans sa force de renforcer l'autorité de son pouvoir, se dit, mais non, moi, j'ai d'autres objectifs.
Et la liberté aussi est quelque chose qui se gère. C'est une denrée très rare et très dangereuse à la fois. Le grand problème qui se pose et qu'on parle de crise, couloir infernal, c'est la gestion des libertés. La gestion des libertés qui fait partie, qui est, que l'on lit au chapitre 2, 3, 4, d'un grand livre écrit par Nicolas Machiavel, qui a pour titre « Discours sur les premières décades » de Tite Live. C'est parti, on prononce les chapitres que je viens de citer, c'est « Conflit et gestion de la liberté ». Et cela se retrouve dans tout état. Alors, lorsqu'on prend ce qui se présente actuellement et se joue au Bénin, oui, où le chef de l'État a dit « Bon, ok, on va y aller », il envoie les conseillers vers le ministre de l'Intérieur qui pose ces conditions, oui, conditions que les formations de l'opposition trouvent arbitraires, à la limite, injurieuses. Jusque-là, oui, ceux qui sont allés devant le ministre de l'Intérieur n'ont pas ouvert la bouche pour dire de quoi est-il réellement question. Il y a un fond qu'on cache. Ah bon, mais ils ont parlé, ou bien ce qu'ils ont pu exposer. J'ai le sentiment, oui, qu'il y a un langage, pas de sourd, hein. Dans l'univers politique, tout ne se dit pas. Okay. Ou alors, il manque, à mes chers amis de l'opposition, une maturité politique qui ne leur fait pas encore comprendre que c'est de telle chose qu'il s'agit. Ou alors, je me mets de l'autre côté pour dire, c'est le ministre de l'Intérieur qui en fait trop. Car le ministre de l'Intérieur sert le président de la République. Et si on envoie les opposants vers le ministre de l'Intérieur, qui est dans son rôle de les recevoir et d'exiger d'eux un certain nombre, je crois, de pièces qui doivent être en conformité de quoi que ce soit, c'est que ça doit être... Mais ce que je comprends dans la politique de son Excellence le président Patrice Talon aujourd'hui, c'est que les choses ne se font plus ou ne se feront plus comme cela se faisait, comme dans une sorte de compromission, et tout de suite les Béninois se comprennent et ça s'arrête là. Même dans le compromis, il y a des principes qu'on ne partage pas, mais on peut s'entendre sur le minimum. Car moi, je ne vois pas qu'il y a blocage. Le mot même, oui, dégage de l'énergie que... Je ne sais pas si... On se comprend. Vous pensez que ce n'est qu'un épiphénomène, oui, qui passera. Oui, ça va passer. Oui, il est confidable. Pour l'instant, les deux parties n'arrivent quand même pas à avancer. Non, d'abord, je le suis sur ce qu'il a dit. Le tout permis, et le tout permis, on ne le rencontre, on ne le croise que dans un état voyou. Pour la simple raison que on ne devrait pas être là où on est, si... On avait choisi, par exemple, de pasticher Portalis, Jean Étienne. C'est un auteur très célèbre. Oui. Qui, dans son discours préliminaire sur le projet du Code civil, le 21 janvier 1801, déjà, il écrivait ceci. Il ne faut pas des lois inutiles. Elles affaiblissent les lois nécessaires. Elles compromettent la certitude et la majesté de la législation. Ici, dans le cas des Suisses, il y a eu une loi inutile. Elle a un nom, un certificat de conformité, sans aucun fondement juridique. N'eût été ça, on ne serait pas là où on en est. Et on ne peut pas convoquer un dialogue autour du certificat de conformité, puisque les partis avaient déjà fourni toutes les pièces devant leur permettre d'obtenir ce document. Et on a choisi de motu proprio, c'est-à-dire de plein gré, de ne pas le leur donner. Maintenant, le dialogue devrait reposer sur quoi? Le dialogue devrait reposer sur la validité juridique ou non de l'Assemblée nationale. Le dialogue devrait reposer sur le retour des exilés politiques. Attendez. Sans vous interrompre, il faut qu'on se comprenne. Oui. Le mot dialogue, il faut que ce soit un peu... Là, c'est juste une rencontre. Une rencontre politique, oui, fructueuse. On devrait en sortir avec des engagements précis, avec des responsabilités concrètes et confiées à chaque parti. Ce qui n'est pas le cas, puisqu'on les renvoie, on les retourne, on leur demande d'aller maintenant au ministère, d'aller au ministère de l'Intérieur pour des documents qu'on aurait pu leur dire de se refonder pour avoir plus tôt. Et
lorsque le politique utilise l'art de donner des coups en douce, en faisant semblant de respecter sa parole, on constate qu'il y a forcément blocage. Il y a blocage dans la mesure où le but recherché pour convoquer cette rencontre n'a pas été atteint. La volonté politique doit l'emporter sur les conventions. On ne voit pas une volonté du président de la République de façon claire et étanche. En tout cas, ça reste votre regard. Mais le chef de l'État l'a dit, son objectif, c'est de pouvoir constater que toutes ces formations, au regard du test de loi, ont finalement un statut juridique convenable. Après cette étape, on pourra passer par la suite d'Aliel Kenom à l'étape de dialogue avec tout le grand nombre. Car il y a des formations politiques qui n'ont pas rencontré le chef de l'État parce qu'ils n'ont pas de problème de statut juridique. Vous disiez tout à l'heure qu'il n'y a pas de blocage. Mais manifestement, où la pièce maîtresse qui a de tout temps manqué à l'appel n'a toujours pas été délivrée, comment entrevoyez-vous que la suite du processus puisse être enclenchée? Comme c'est le chef de l'État qui les a retournés vers le ministre de l'Intérieur, oui, autant demander par une correspondance une autre rencontre pour dire « Nous ne comprenons pas ce que vous exigez de nous qui fait blocage, si le mot blocage existe. » La rencontre aurait pu être faite directement entre opposants et ministre de l'Intérieur, de mon point de vue. Mais c'est le chef de l'État qui a donné un sens de la valeur, de la hauteur, de la grandeur à la rencontre, en leur disant, si j'ai bonne mémoire, je crois que nous pourrons désormais dépasser nos rancœurs, nos différences et nos dirigeants, tant. Et tout le monde a suivi. Je n'étais pas là, mais je suis les informations de l'actualité. Et si on sortit, le Béninois, c'est l'homme qui ne sait pas trop faire de l'hypocrisie. Sinon, on n'aurait pas réussi la conférence nationale du 19 février au 28 février en 10 jours. Le président Mathieu Kérékou avait les armes en main et pourtant, on lui a prouvé ses limites. On est allé là où on est allé. Le président Patrice Talon est béninois comme tout autre béninois et il dit ce qu'il pense. Il choque, mais il dit alors, il dit pourtant. Les autres Béninois ont aussi ces éléments dans leur culture et dans leur éducation. Ils auraient pu dire, Monsieur le Président, nous ne vous croyons pas. J'ai vu l'honorable Éric Vounete dire une fois devant le Président, non, c'est faux. En plein débat dans leur rencontre, le Béninois doit pouvoir dire ce qu'il ne veut pas. Mais ce qui est essentiel de mon point de vue, Monsieur le journaliste, oui, j'ai le sentiment que nous perdons du temps. Simplement parce que l'attestation de conformité dont on parle retourne de quoi? Et aucun opposant ne le dit de façon spécifique, de façon claire. Qu'est-ce que vous trouvez que ça cache? Fondement juridique, fondement non juridique, ce n'est pas le problème de Daniel Kenom ici. C'est au ministre de l'Intérieur de venir clarifier ou alors à un opposant de dire « Si vous ne nous donnez pas satisfaction, nous allons tout mettre au clair. » Il y a peut-être des choses qui se passent. Vous pensez des non-dits? Je crois, si tant est que le président, qui est le chef suprême, le premier magistrat, dit, allez voir. Et je ne vais pas finir de parler sans dire, nous sommes dans l'univers politique qui n'a rien à voir avec l'ordre moral des choses. Ah oui, ce n'est pas pour les sages. Ce n'est pas sur un terrain d'éthique. Lorsque je vous entends parler, ça voudra dire que l'ordre politique des choses est injuste. Non, c'est ça. Puisque l'ordre naturel des choses est juste. Donc l'ordre politique des choses est injuste. Pour vous. Sinon, vous, parti politique, vous existiez déjà depuis Matouzalem, 40 ans pour d'autres. 20 ans pour d'autres, 30 ans pour d'autres. Vous existiez même avant que l'ambition de diriger une respublica ait animé celui qui aujourd'hui est au sommet de l'État. Et celui-là vient. Et pour changer les choses, il vous demande de renaître. Et il estime que la politique ne peut se faire qu'autour de partis politiques. Alors que dans un passé récent, lui n'avait même pas eu besoin de partis politiques pour se faire élire.
Vous ne voyez pas que c'est juste des chicanes ou des coups politiques ou des stratégies politiques malsaines pour affaiblir l'adversaire, pour décourager l'adversaire ou pour l'amener à ne pas compétir. Peut-on compétir seul ? Pour une fois, dans ma République, on a compétit seul. Pour une fois, dans ma République, on a eu un parlement monocolore. Et vous estimez que c'est une façon de respecter sa parole, c'est une façon de pouvoir mener une République alors que nous avons choisi un État démocratique. On n'a pas choisi un État despote. On n'a pas choisi un État autoritaire. On n'a pas choisi un État révolutionnaire. Vous ne pouvez pas, comme vous le faites là, exclure le peuple. Parce que un État, tout ce que nous demandons et nous voulons un État plus démocratique, plus productif et mieux géré. Plus productif, mieux géré, le chef de l'État ne dit pas le contraire. Il faut pouvoir tourner rapidement cette page de la crise et se concentrer sur l'essentiel, les questions de développement. Chers invités, on ne va pas l'oublier, cette préoccupation a été débattue au-delà des contrées du Bénin. La CEDEAO a dû se pencher sur la crise qui secoue le Bénin et qui a fait beaucoup parler du pays, mais en mal. Alors, au nombre, au registre des grandes recommandations, il a été retenu que la commission de la CEDEAO puisse expressément descendre et rencontrer les différentes parties prenantes pour essayer d'apprécier et aider à tourner cette page. Daniel Kenom, je m'avais vraiment vous demander, avec le schéma auquel on assiste, vous avez suggéré tout à l'heure que ces formations puissent peut-être taper à nouveau à la porte du chef de l'État. À supposer que c'est une option qui ne prospère pas. On a vu les tégivisations avant que cette opposition n'aille à cette rencontre-là. Est-ce qu'il est temps déjà pour cette commission de la CEDEAO de s'inviter dans la danse où les Béninois ont encore un peu de temps pour s'essayer au dialogue ? Les Béninois, c'est comme ma réaction va toujours dans le sens de ce qu'il n'y a pas encore blocage. Donc les Béninois peuvent encore résoudre. Si tant est qu'ils estiment qu'il y a blocage quelque part. C'est trop tôt d'inviter la CEDEAO. La CEDEAO et n'importe quelle force extérieure. Alors, si on doit rester au Bénin, si on nous devons rester au Bénin, puisque nous sommes restés au Bénin en 90 pour gagner ce que nous avons gagné. Oui, je suis d'accord. Nous sommes restés au Bénin pour faire un certain nombre de choses qui ont surpris. Quand on dit le Bénin étonne, il a toujours étonné. Où sont passées ces compétences, cette disposition ? Voilà une bonne interrogation. Où sont passées ces compétences, ces dispositions ? Mais est-ce qu'aujourd'hui, quand vous observez un peu l'actualité au Bénin, les divergences parfois de vues, les rancœurs exposées, évoquées par le chef lui-même, vous avez l'impression que les Béninois ont encore ces ressources-là pour pouvoir s'asseoir, se parler ? Ils en ont. J'ai observé pendant longtemps le président Mathieu Kérékou dans ce pays. Il y a un élément qui manque peut-être maintenant. Qui manque peut-être, mais qui manque sûrement. C'est lequel ? Quand il y a crise, le président Mathieu Kérékou avait recours aux anciens présidents. Où sont les anciens présidents ? Parce que l'expérience, quelque part, peut passer science. C'est vrai. Et montrer la voie. En tel temps, telle chose s'est passée, comment on s'est pris pour ? Une expérience positive peut passer science, mais une expérience négative ne peut servir à rien. Et ce que je dis, qui est peut-être un peu ma faiblesse, c'est que je positive tout. Et je crois à ce que dit l'autre d'abord. Quitte à être déçu avant de tirer une conclusion. Vous n'avez pas encore été déçu depuis ? Je vous en prie, je suis à l'aise. Moi, je ne sais pas ce qui se passe. Oui, là, dans ce schéma, est-ce qu'on... Je ne suis pas un parti politique, suis enseignant. Mais Daniel, dans cette option-là, est-ce qu'on peut alors se retourner vers le clergé qui, plus d'une fois, a proposé déjà ses services ? Il paraît que des contacts ont été pris un peu de façon, en tout cas, loin des projecteurs. Le travail continue d'être fait. Est-ce qu'enfin on peut les inviter à pouvoir se saisir plus sérieusement de la question ? Merci Joël Yetondi. Sur cette question, je ne trouve pas... Le clergé peut réussir et il en a les ressources. Mais le tout dépend des objectifs que le numéro un béninois a. C'est comme autrefois au Gabon, on parlait des lois de cadrage. Tout suit un ordre. J'ai le sentiment que nous fuyons un peu ce qu'on appelle la rigueur. Et
nous n'avons pas trop été moulés dans cette sphère de la grande rigueur et la politique, cela se faisait. Le mot rutu dont on parle doit trouver un peu ses significations, ses racines dans tout ce qui se passe et qui fait qu'on oppose despotisme à la démocratie aujourd'hui. Ce qui est réel, même dans les études classiques, c'est ce qui est. Mais le chef de l'État, le dernier mot, qu'est-ce que moi je peux? Je ne peux faire que des propositions. Tout ce que j'aurai à dire n'aura que force de proposition, de suggestion pour accompagner. S'il y a des choses à dénoncer, on attend le moment. En tout cas, oui, c'est justement l'intérêt des plateaux comme celui-ci, apporter des contributions qui peuvent être utiles à évoluer dans le débat qui se fait de plus en plus lancinant. Oui, les Kofi Dia, les Béninois peuvent encore se parler, trouver les ressources. Si hier, ils ont étonné, pourquoi pas aujourd'hui? Finalement, on prend quelle option pour espérer vraiment en arriver à ce résultat que tous attendent? Qu'on soit de l'opposition, qu'on soit de la mouvance, tous clament à cor et à cri vouloir du dégel. Forcément, il faut le dégel, parce que sans le dégel, on ne peut pas évoluer. Mais il s'agit, dans le cas d'espèce, d'aplanir les divisions et les dissensions. Et pour qu'on y arrive, il faudrait une sincérité réciproque. Sincérité réciproque, ça manquait à quel niveau? Ça manque toujours, et surtout au niveau du pouvoir en place. Parce que moi, je le dis, l'auteur de la crise, c'est le pouvoir en place. Mais ce qui manque un peu aussi à l'opposition, c'est que à ce genre de rencontres, on ne les voit pas dénoncer, dire, exhiber leurs exigences de façon claire et précise comme ils le font sur les plateaux de télévision. On ne les voit pas prendre la parole et regarder droit le premier magistrat du pays et lui dire voilà ce que nous voudrions avoir. Vous étiez à ces rencontres-là et vous les avez vues à l'œuvre? Puisque mon vis-à-vis dit qu'à la sortie de la rencontre, ils disent qu'ils sont satisfaits de ce que, ou que le président les a convaincus. Alors que d'autres sons de cloche disent que le président leur a fait perdre le temps. Parce que, et là où moi je rejoins ceux qui disent que le président leur a fait perdre le temps, c'est quoi? C'est que ce qu'on leur demande de faire aujourd'hui, on aurait pu leur demander de le faire plus tôt. Qu'on n'en serait pas là. Qu'on n'aurait pas connu des pertes des vies humaines. Qu'on n'aurait pas connu l'insurrection des 1er et 2 mai. Qu'on n'aurait pas connu la colère des citoyens Nago. Qu'on n'aurait pas connu les îles médico-politiques de l'ancien président Yahya Boni. Aujourd'hui, il faut que les Béninois soient. Mais qu'on veuille ou non. À trouver la formule à l'interne ou regarder un peu plus loin. Votre vis-à-vis a parlé de la formule à l'interne. Nous avons rappelé tout à l'heure le travail que le clergé fait en sourdine. Le clergé, à cet instant-ci, peut-il entrer autrement dans la danse ou, d'après vous, il faut désormais se retourner vers la CEDEAO? Non, la formule à l'interne est plus appropriée, puisque à l'interne, on a au moins le clergé qui est une personnalité neutre et imbibée des problèmes politiques. Puisque aujourd'hui, ce qu'on a, le problème béninois est politique et les solutions ne peuvent qu'être politiques. Et donc, un neutre comme le clergé béninois, conscient de ce qui se fait et bien moulé du départ et de ce qui a amené les uns et les autres à ne pas accorder leur violon. Et dans cette neutralité, dans cette impartialité, il pourrait amener les deux parties à accorder leur violon pour qu'on puisse obtenir un dégel et évoluer. Parce que je ne conçois pas comment et pourquoi on tient coûte coûte à ce que les choses se fassent comme moi, président, je veux. Donc moi, président, Donc, parce que vous êtes au président. Le président, non, ce n'est pas parce que vous êtes au président. Il a été choisi par tout le peuple pour conduire les destinées. Mais il se fait que le peuple ne vous a pas choisi pour que vous puissiez nous brimer. Il se fait que le peuple ne vous a pas choisi pour que vous puissiez nous piétiner. Le peuple vous a choisi pour que vous fassiez des choses qui concordent ou qui concordent avec nos aspirations. C'est pourquoi il dit le tout permis, on ne le retrouve que dans un état voyou. Oh, on n'en est pas là. On n'en est pas là. Ah oui, j'ai quelque chose, c'est que on a vu le président Mathieu Kérékou gérer dans ce pays. Tout à fait. Il n'a pas eu que des... Tout le peuple n'a jamais applaudi.
le socialisme. Il y a les autres qu'on appelait les réactionnaires. Vous comprenez que chacun a son point de vue par rapport à ça. Nous avons connu la démocratie où nous sommes allés à la conférence nationale. Le président de Dieudonné Nicéphore Soglo a été nommé, a été élu. Il a géré. Tous les Béninois ne l'ont pas applaudi. À chacun, selon... Et c'est pourquoi tout le monde ne l'a pas applaudi. Parce que c'est la voix du président. C'est ce qu'il dit qui passe. Et ce que faisait le président Soglo était en contradiction par rapport ou ne rentrait pas dans le sens de ce que faisait le président Mathieu Kérékou. Plus tard, le président Mathieu Kérékou est revenu et nous avons vu le président Yahya Bouni. Pourquoi veut-on que... C'est comme si on demande au président Talon de faire exactement comme les autres. Là, tout le monde, dans aucun pays, aucun président ne sera jamais applaudi à 100%. Ça, c'est sûr. Mais là, dans les pays... Est-ce que j'ai encore la parole, oui. Dans aucun pays, aucun président ne peut gérer sans s'attendre à une opposition. L'opposition, dans son rôle réel, aide celui qui devrait aider ce qui est là à se construire. Car si tout le monde veut le dégel, opposition et mouvance, cela veut dire que les yeux sont rivés vers une pacification. S'il y a un état de paix dans les choses, ça peut aller. Mais il n'y a jamais aussi de paix durable, car le dynamisme de l'humain fait que quand il y a le moins, il y a le plus, et les choses s'interviennent. Donc, ça, c'est sûr. Mais... Et lorsqu'il y a des crises, ces crises sont révélatrices de nouvelles réformes pour aller vers de progrès sensibles. Donc, je vois les choses autrement. C'est peut-être là mon défaut. On ne dit jamais un défaut. Les regards doivent être toujours ambivalents pour pouvoir aider à tirer le maximum. Même Daniel Kenom, oui. Cette crise qui court bien avant le 28 avril et qui a fait son chemin, et pour lequel, pour l'instant, les Béninois semblent ne pas regarder dans la même direction. Jamais tous ne regarderont dans la même direction, où la classe politique, peut-on dire, est foncièrement divisée. Est-ce que ça ne fait pas déjà quand même un peu de trop dans la durée? Ça fait un peu de... C'est une question que vous me posez. Tout à fait. Et si le président qui est là était un néophyte, on comprendrait. Il était politicien dans l'ombre depuis. Depuis les années 90, le 11 novembre 2015, il a rencontré la diaspora béninoise. Il le leur a dit. Il finançait les partis politiques. Il savait tout. Je peux dire que dans nous, c'est lui qui gérait. Donc, il sait ce que c'est que la politique. Et quand il a déclaré Diongbé, il s'est déjà préparé à ce qui se passe là. Je crois que c'est l'homme qui a déjà tout son schéma. Et nous suivons selon les plans. On dit Bénin révélé. Est-ce que sur tel plan, nous avons telle chose? Est-ce que nous sommes satisfaits à tel niveau? Je crois que c'est de cette manière méthodique que les analyses devraient être faites. Mais si, déjà, je me mets dans une posture pour tirer à boulet rouge, c'est que je ne verrai que les choses en rouge. C'est un peu mon problème. Oui, dans la démocratie où le plus grand nombre abandonne le navire, on assiste à ce à quoi on a assisté tout récemment en Algérie. C'est-à-dire que la population, le plus, finit par prendre la rue. Et nous, on ne veut pas ça. C'est pourquoi on voudrait forcément que le chemin du dialogue soit le chemin le plus adéquat pour un dégel efficace et efficient. Et je m'en vais continuer pour dire que lorsque le peuple, c'est le peuple qui vous a choisi, il y a donc forcément une synergie entre le peuple et vous. Et je ne vois pas comment, une fois choisi, vous devez faire des choses contre-productives. C'est-à-dire vous devez faire des choses contre ce peuple-là. Et ça fausse complètement tout le jeu. On demande simplement à l'autorité, pas de plaire, mais on demande à l'autorité, dans sa rigueur, de rechercher le mieux-être, de rechercher le bien-être du plus grand nombre. Puisque
ça devait être le credo. Ça devrait être le credo. Sinon, parce que ça manque à l'appel. Non, maintenant, là où moi je suis un peu perturbé, c'est que l'opposition, que l'on soit trois, ils ne tiennent pas le même langage. Vous pensez qu'ils devraient tenir le même langage? Oui, pour être plus fort, ils devraient tenir le même langage. Ils devraient tenir le même langage et non des langages divergents, pluridimensionnels et ondoyants. Parce que, comme il le dit, ils ont en face d'un homme qui se présente comme étant aujourd'hui un mal nécessaire pour la démocratie béninoise. Parce que quand viendra l'heure de faire son bilan, sur certains pans, il convainc, il commence à convaincre. Mais sur notamment le schéma politique, il déçoit. Et quand vous êtes opposant et vous dites que ça ne doit pas se passer comme ça, il faudrait que les propositions soient uniques. En tout cas, autour de la table de dialogue qu'on espère aura lieu, il y aura des propositions qui viendraient de part et d'autre, on l'espère. Mais avant, qui pour conduire ce dialogue si tant est que les Béninois ont les ressources pour pouvoir se parler? Il faut bien quelqu'un pour conduire le dialogue. Merci. Je suis heureux d'entendre mon frère et ami Kofi Dia reconnaître que quelque part l'opposition ne tient pas le même langage. Vous pensez aussi que c'est indispensable? Mais quand c'est comme ça, c'est une faiblesse. Et on ne peut pas laisser le pouvoir à des gens qui ne sont pas stables. Dans ces conditions, il faut prendre le pouvoir, le tenir ferme et fort lorsqu'on a des objectifs précis à atteindre. Merci de me passer ce mot. Je vais plus loin pour dire qui va tenir ce langage, qui va conduire ce dialogue. Le dialogue sera conduit d'ici quelques jours, quelques mois. Je l'espère, je programme positivement, vous le verrez. Moi, je le programme parce que de ce plateau, l'opposition va tirer le son. L'opposition n'est pas en fait la partie politique à abattre par la mouvance. Mais c'est la partie qui voit ce qui n'est pas encore fait et qui doit attirer l'attention du pouvoir. Si on veut faire de l'opposition constructive ou positive, la classe politique est remplie d'éléments épars et divers. Mais on n'a pas pour devoir de détruire l'autre pendant qu'il est là. On a vu les autres présidents passer, on a vu comment les autres se retirent et restent à l'ombre. Il faut passer, il faut laisser le temps à l'autre, à chacun. Son dynamisme, son talent. Et il y a quelque chose. Entre le président élu et le peuple, ce n'est même pas une synergie. C'est un contrat sacré. Mais le contrat n'est sacré que lorsque la charge qui revient au président, il part de cette charge pour fixer ses objectifs. Le peuple suit. Il vient de reconnaître avec moi, ou de dire comme moi, qu'il est en train de convaincre. Voulons-nous du développement qui convainc comme on le fait, ou on veut de la politique? En tout cas, du développement, c'est tout un peuple qui en veut, c'est sûr, il est Kofi Dia. Vous voulez faire quelques compléments? Dans quelques jours, annonce Daniel Kenom, on verra bien l'amorce de ce dialogue. Il est tout sauf un devin, mais ce que je vois venir, un facilitateur interne, expérimenté. C'est-à-dire une personne compétente qui connaît bien les enjeux de notre République. Et je vois bien le prélat, parce que le prélat inspire la confiance. Et la confiance permet aux parties prenantes à un dialogue de pouvoir échanger sans presque des protocoles inutiles. Et lorsque viendra le moment, on va devoir tabler sur les sujets porteurs de division et de dissension pour qu'on puisse permettre aux dirigeants actuels d'aller plus loin. L'opposition a un problème, je vous le disais, et depuis, c'est l'unicité dans les revendications. L'opposition n'est pas unie, et tant qu'elle sera divisée, elle donne pouvoir à l'autre. Et une opposition, l'opposition dont on parle dans un État démocratique, c'est une opposition constructive, une opposition positive. Et cette positivité revient à dénoncer des choses, mais tout en faisant des propositions. Et donc, vous permettez à celui qui dirige, ou vous montrez les limites,
ou les assouplissements, les imperfections, les lacunes de celui qui dirige. Et vous laissez au peuple la possibilité de constater que vous êtes plus éclairé que celui qui vous dirige à travers vos propositions. C'est pourquoi l'opposant devient alors mouvance. En tout cas, tout compte fait, les pluriels à cette opposition. Pour l'instant, les idéologies aussi ne sont pas les mêmes, il faut le souligner. Et des propositions, ça ne manque pas forcément. S'il y en a qui se font passer pour des tireurs attitrés, et il y en a qui nuancent aussi, et c'est cela, un peu de tout pour faire une république, Daniel Queneau. J'ai deux petits aspects je voudrais intervenir sur deux petits aspects. Oui. L'opposition, en fait, ne fait pas de proposition réellement pour le parti au pouvoir. L'opposition veut arracher le pouvoir pour exercer la partie de la classe politique. En fait, ça fait partie. Il fait de la propagande pour le pouvoir qui est là pour lui arracher la vedette. C'est justement ça. Oui, mais la proposition doit aller dans ce sens-là. Dans la classe politique. Le rôle de proposition réelle au parti, au pouvoir, c'est la société civile. Je ne sais pas si elle en existe encore dans ce pays. Elle est déjà civile. C'est votre regard, vous interrogez. Premier aussi. Point, ça passe. Oui, et je le rejoins sur le choix. Il n'y a que le clergé. Là, maintenant, le clergé, c'est les vrais et les fins politiciens, car ils agissent sur le mental, le psychologique de l'être, le psyché, au point où le président même, il est un homme d'église. Les autres, ils savent où se situe le problème. Car un des points forts qui va grandir ce pays dans ce dialogue, ce n'est pas ce dont on parle qui est attestation de conformité. Mmh. C'est plus la manière de demander la chose qui doit compter plus que ce qu'on demande dans ce cas. Pas conséquent, on ne peut mener une telle rencontre ou un tel dialogue dans un esprit de mutualité. Dans un esprit de mutualité et dans un esprit de convivialité. Et en cela, l'étoffe... Ils sont forts. Il n'y a que le clergé. L'étoffe du clergé ou du prélat est plus appropriée. Et je crois qu'ils nous écoutent et ils vont devoir... Et ils font déjà ce qu'on appelle les intrigues de couloir ou les reptilisations nocturnes. Ils vont déjà. Ah bon. Oui. Bon. Et ils font même des prières. Moi, je suis allé à prière ce matin à 6h45. Ils font des prières. Prions pour le Bénin. Temps, et il y a une prière spéciale qu'on reçoit depuis longtemps. Pour le Bénin. Et une prière, même si ce ne sont pas que des vaines phrases, la phrase prononcée dégage des énergies. Dégage des énergies. Et moi, je suis croyant. C'est ça aussi ma faiblesse, monsieur le journaliste. Rassurez-vous, ce n'est pas de la faiblesse que de penser positif. Il faut penser positif pour baigner aussi dans la positivité, disent les grands hommes. Il est Kofi Dia, le Bénin, donc pourra, dans les tout prochains jours, étonner et surpris. Pour l'instant, en tout cas, c'est le Burkina Faso qui semble faire la fierté de l'Afrique de l'Ouest. Beaucoup de moments de turbulence, mais graduellement, le pays se stabilise. Pour le Bénin, Daniel Queneau, programme pour les tout prochains jours. Déjà, quelle posture pensez-vous que les uns les autres devront adopter pour permettre à ce que ce vœu se concrétise? Vous voyez l'opposition, notre opposition nous dessert. Je ne sais pas ce qui les empêche de se rencontrer et d'accorder leur violon et de composer une seule force. Cela aurait pu venir depuis, je l'avais dit. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles je ne suis pas adepte de Yahi. Parce que le charisme de l'homme et son expérience auraient permis d'obtenir l'unicité de l'opposition. Mais si son expérience n'a pas servi à réunir l'opposition, je ne vois pas en quoi son expérience pourrait servir à un dégel par rapport au dialogue à venir. Mais cela dit, j'invite l'opposition à se rencontrer, à discuter et à unifier leur point d'achoppement. C'est extrêmement important avant d'aller s'asseoir une autre fois. On ne doit pas avoir une opposition où l'une tient ce discours, l'autre tient ça, et l'autre tient ça, et l'autre opte carrément pour la politique de la chaise vide. Okay. Une opposition dispersée ne fait que renforcer le pouvoir en place. Ok. Au pouvoir, vous avez envie de dire? Et au pouvoir, j'ai envie de dire enfin d'accorder à Dieu la première place.
à Dieu. À Dieu la première place. Pourtant, j'étais divin tout à l'heure. Daniel, merci. Que oui. Et à l'opposition. À l'opposition. Donc, tout est dit. Tout là, est dit. Tout dit. Parce que, si, parce pour conclure, on ne peut pas faire confiance à des gens qui ne se font pas eux-mêmes confiance. Confiance, voilà. Mais c'est ça. Votre conclusion. La conclusion, c'est que le Burkina Faso étonne, grandit l'Afrique dans ce sens que les tumultes permettent de grandes réformes positives pour le progrès de leur nation. Merci à vous, Daniel Kunom. Qu'une seconde, le temps est terminé, mais je vous le permets. Par conséquent, ce tumulte auquel nous assistons finira par nous grandir aussi. Merci à vous, il est Kofi Dia. Merci à vous, Daniel Kunom. Que de la positivité ce matin, mesdames, messieurs. L'âme en a besoin, l'être humain aussi. Croyez-y, en dépit des difficultés, demain, ce sera un autre jour et il fera beau pour chacun et tous. Pour le Bénin, dont on parle actuellement. Cette citation, enfin, de l'écrivain et auteur dramatique français, avant de vous quitter, Jules Renard, je le cite, « Chaque fleur attire sa mouche ». Bonne suite de méditation chez vous, et à très bientôt.